Jérémy Marcuccilli, bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui Kookaburra. Donc Kookaburra, c'est un concept qui est né en 2006. Oui. Voilà, en Australie. Donc, j'ai pu faire un voyage lors de mon MBA. Il y avait un concept de jus de fruits frais pressé, de bar à jus de fruits plus précisément, qui était très présent là-bas. Donc qui était originel et première, c'était d'implanter ce concept en France. Et du bar à jus de fruits, on est passé à la grande cuisine, puisqu'aujourd'hui on est la marque leader sur tout ce qui est jus de fruits frais pressés haut de gamme pour l'industrie hôtelière. D'accord. Et je crois que en fait vous avez un concept un peu particulier, c'est que vous avez un brevet sur les jus de fruits frais. Exactement, parce qu'en fait la problématique dans ce domaine, dans le jus de fruits minute, ce qu'on appelle, c'était vraiment la DLC des produits. Et aujourd'hui on est arrivé à allonger la DLC du produit sans adjonction ni de conservateur ni d'additif, en la faisant passer de 3 à 14 jours. D'accord, donc 14 jours on peut déguster ces magnifiques jus de fruits. Et aujourd'hui donc ce qui nous distingue par rapport à ce qui se fait chez nos confrères dans le milieu, c'est vraiment déjà un la conservation et deux c'est vraiment les recettes à façon. Ce qu'on appelle recettes à façon, c'est qu'aujourd'hui vous avez deux jus d'orange frais pressés qui sont présentés devant vous, un jus d'orange d'Espagne et un jus d'orange d'Italie. On est bien marqué en couleur et bien sûr les saveurs sont très bien marqués, sont très distincts. Voilà. Ensuite, là, vous visez donc les restaurateurs. Exactement. De la région. De la région, de tout le sud-est de la tout France. Tout le sud-est, c'est voilà. Ça. Donc avec un concept pour tout ce qui est bar et mini-bar. Bar et mini-bar, voilà. Voilà, donc en fait, la gamme Nectar Expérience et Nectar Sélection est née de la rencontre avec les frères Rimbaud, donc de l'Oasis, qui est à Mandelieu et la Napoule, qui m'ont demandé de développer à l'époque un mangue gingembre en souvenir de leur voyage au Japon. Ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en bouteille, et aujourd'hui on développe en fait sur les gammes expérience les recettes de chef qu'on met en bouteille. D'accord. C'est très précisément le mélange d'un fruit et d'une fleur, ou d'un fruit et d'une épice. On reste vraiment sur la sélection naturelle du fruit et on l'associe à du poivre de Sichuan, de la verveine pour le dernier venu, développé par Eric Sapet, l'abricot royal qui est en fait un mélange d'abricot et de verveine. D'accord. Et donc en plus de ça, je crois que vous avez ouvert depuis le mois de juin. Notre concept, c'est le Kookaburra Store. Store, exactement, oui. Où en fait, sur le concept Kookaburra Juice, donc qui est une usine de 1000 m² qui transforme exclusivement pour l'industrie hôtelière haut de gamme, le but c'était avec Store de rendre ce concept disponible au plus grand nombre. Avec justement des prix allant de 2 à 4 euros au prix d'un granité ou d'une glace, mais sur du fruit frais et de la forme. D'accord. Ce qu'on a fait sur un petit véhicule électrique. Voilà, donc ce sont des véhicules électriques qui se baladent un peu sur les points chauds de la région. Exactement. Et qui distribuent effectivement ces jus de fruits au public. Ces jus de fruits au grand public avec un concept un concept de 365 jours de jus, c'est-à-dire qu'il y a une création de jus de fruits frais par jour. Et en fait, c'est le client qui crée lui-même, le consommateur qui crée lui-même sa recette. D'accord. Donc chaque jour, on a un nouveau chef de cuisine et un nouveau développement qui nous sert après à développer d'autres gammes de produits. D'accord. Mais écoutez, on vous souhaite un très bel avenir, je pense. Merci. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir sur le prochain salon, le prochain festival. Avec plaisir. C'est un bel endroit, un bel événement avec de nouveaux chefs de cuisine qu'on suit. Nous, c'est très important. Et je crois que vous avez pas mal de chefs qui utilisent déjà votre produit. Vos jus de fruits, vos produits. Donc on souhaite que vous réussissiez, que vous développiez dans le monde entier. Voilà. Ah, merci plus. Pour votre visite. Okay. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci.